de rendre visibles ces cas qui ne sont pas des cas isolés. C'est de sensibiliser l'opinion publique, puisque les chiffres sont de 15 morts par an tués entre les mains de la police, dans l'impunité totale et dans l'indifférence générale. Le travail qu'on fait aussi, c'est auprès des journalistes, de façon à ne plus relayer uniquement la version policière, parce qu'on s'est bien rendu compte que dans toutes les affaires, il y a des mensonges. Dernièrement, vous avez pu assister au procès de Damien Saboudjian, le meurtrier qui a tué mon frère d'une balle dans le dos, qu'on a criminalisé à titre posthume, sous prétexte qu'il avait un passé judiciaire. Heureusement qu'on s'est battu, ma famille et moi, avec d'autres familles, qu'on a arraché cette petite victoire, puisque la justice n'a pas été obtenue, puisque 5 ans de sursis, 5 ans de condamnation, c'est peu par rapport à la perte d'un être cher. Aujourd'hui, on a obtenu une petite victoire, mais la grande bataille reste à venir. Ravata Diagne du collectif Vivolé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre présence. Avant de faire partie du collectif Vivolé, je suis d'abord la sœur d'une victime de violence policière, d'un crime policier commis le 17 juin 2007. Mon frère s'appelait Lamine Dieng. Il a été étouffé par 8 policiers du 20e arrondissement alors que ses mains et ses pieds étaient attachés et étaient allongés face contre terre pendant plus de 30 minutes. Les médecins légistes ont relevé plus de 30 hématomes sur le corps de Lamine Dieng, dont une dizaine sur la tête. Ils ont relevé du vomi dans tout son appareil respiratoire. Ils ont relevé également pas moins de 30 hématomes sur tout le corps, dont une dizaine sur la tête. Ils ont relevé un œdème cérébral et un engagement cérébelleux. Je ne sais pas s'il faut que je change de micro, peut-être, parce que là, c'est pas génial. Celui de Omar. Vas-y, continue. Je disais, mon frère a été étouffé par ces policiers. Les éléments scientifiques qui sont donc incontestables sont dans le dossier depuis fin 2007. Et comme je vous le disais, plus de 30 hématomes sur le corps, une dizaine sur la tête, un engagement cérébelleux suite à un œdème cérébral, c'est-à-dire que le policier qui était agenouillé sur la tête de Lamine, sous la pression de ce policier, le cerveau a manqué d'oxygène. Le manque d'oxygène a fait gonfler le cerveau. Le cerveau a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans la boîte crânienne et il a commencé à s'écouler par la seule issue possible qui est le trou occipital, une zone qui se trouve au niveau de la nuque. Ces éléments donc sont dans le dossier depuis fin 2007. Le juge a attendu juin 2014 pour prononcer un non-lieu. Il explique que les techniques de coercition utilisées par les fonctionnaires de police sur Lamine Dieng ne sont pas interdites en France, à savoir la technique du plaquage ventral. La technique du plaquage ventral, c'est la technique qui a été utilisée également sur Adama Traoré et qui a causé sa mort. C'est une technique qui a été utilisée également sur Ali Ziri et qui a causé sa mort. C'est une technique qui a été utilisée sur Abdelhakim Hajimi à Grasse en 2008. Ça a causé également sa mort. Donc c'est une technique qui est létale, qui est interdite dans certains États américains, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. Liberté! 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 Liber
Si nous n'étions pas là, comme nous le sommes aujourd'hui, chacun de nos morts serait invisible. Chacun de nos morts tués par la police serait invisible. Chacun des crimes policiers racistes commis par la police, bras armés de l'État français, bras armés du racisme d'État français, serait aujourd'hui invisible. Aujourd'hui, regardez devant vous, regardez derrière vous. Il y a une rue noire de monde, noire de monde. Et cette fois-ci, quand on dit noir de monde, c'est positif parce que c'est l'heure de nous-mêmes, l'heure du rassemblement. Thank you.
Thank you.